Le vice-président nigérian Yemi Osinbajo a accusé ce mardi l'ancien gouvernement d'avoir détourné près de 15 milliards de dollars de fonds publics à travers des contrats d'armement frauduleux. Une somme colossale qui, d'après des analystes économiques, représente plus de la moitié des réserves en devises étrangères du Nigeria. Cet argent était initialement destiné aux forces armées pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. Sambo Dasuki, à l'époque conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, est accusé d'être le cerveau d'un vaste réseau de détournement de deniers publics au profit du Parti démocratique populaire de Goodluck Jonathan. Le président Muhammadu Buhari a été élu en mai dernier avec la promesse de lutter fermement contre la corruption qui gangrène la société nigériane.